allons aborder donc aujourd'hui le thème du Saint-Esprit. C'est une suite à celui à la prédication du mois d'octobre où nous avons abordé la personnalité du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous aborderons l'œuvre du Saint-Esprit. C'est mon cher collègue, M. Robichaud, qui m'a demandé de continuer sur cette lancée. Nous aborderons en son temps, ça ne marche pas ? Il n'est pas caché, ce truc-là. C'est bon ? Merci beaucoup. Donc, il m'avait demandé en son temps donc, d'aborder le Saint-Esprit. Nous l'avons fait une première fois. Et nous allons aborder, je répète aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. Auparavant, j'ai trouvé ça cette nuit. C'est une sentence qui n'a aucun rapport direct avec ce que je vais dire ensuite. Mais on peut servir le Seigneur sans le suivre, mais on ne peut le suivre sans le servir. Vous méditerez là-dessus. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, versets 7 à 11. Alors, évangile de Jean, chapitre 7, versets 16 à 11. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez comparer. Les Béréens, dans le livre des Actes, ils regardaient dans l'Écriture si ce que leur disaient les apôtres était conforme à ce qui était écrit. Alors, vous pouvez le faire. Ah oui. Alors, j'ai un texte maintenant sous les yeux, je peux lire même sans lunettes, c'est formidable. Il n'y a pas de miracle là, c'est simplement le fait que Roger a agrandi ce que j'avais à lire et à dire. Alors, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est Jésus qui parle. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, hein, le péché, pas les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Alors nous allons voir maintenant le Saint-Esprit en tant qu'esprit qui convainc les hommes de leur péché, au singulier, hein, je le précise. Il y a quelque temps, donc, nous nous sommes entretenus sur la personne du Saint-Esprit lui-même, et nous avons affirmé, j'ai affirmé, qu'il s'agissait bien d'une personne et non pas d'une influence quelconque ou d'une force imaginaire. Aujourd'hui, nous commencerons une étude sur l'œuvre du Saint-Esprit et en premier lieu, nous débuterons là où il commence son œuvre dans la plupart ou chez la plupart d'entre nous. Je dis « dans » parce que ça se passe à l'intérieur en principe. Alors, dans les versets que nous venons de lire, il est dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde de péché au singulier, de justice et de jugement. Je vous dirai dans le cours de la prédication pourquoi je fais une différence entre le péché et les péchés. Alors, le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne donc le péché. En tout premier lieu, l'œuvre du Saint-Esprit est de convaincre l'homme de son péché. Non pas seulement de ses péchés, mais de son péché. Et je vous dirai tout à l'heure la raison profonde, parce qu'il se cache derrière le vocabulaire quelque chose d'important. Alors, la tâche du Saint-Esprit est donc d'ouvrir les yeux de l'homme, sur son erreur à propos du péché. Et cela, on peut dire d'une manière qu'il devienne profondément conscient de sa nature pécheresse. Et c'est là la nuance. Nous baignons dans le péché depuis notre naissance et nous prenons conscience de la nature pécheresse, de notre nature pécheresse, que d'une façon parfois très relative. Et c'est là que commence l'œuvre de rédemption dans la plupart des hommes. Ils sont amenés tout d'abord à reconnaître leur péché au singulier et à découvrir qu'ils ont besoin d'un rédempteur. Ensuite,
Il n'est pas forcément nécessaire d'insister beaucoup pour qu'ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur, celui qui leur est montré comme le Rédempteur dont ils ont tellement besoin. Je pense que dès l'instant qu'un homme est convaincu de péché par le Saint-Esprit, les choses vont changer relativement rapidement ensuite, dans tout son être. Ce sera une régénérescence extraordinaire qui va se passer. J'espère que ça s'est passé pour la majorité d'entre nous. Alors, à notre époque, il est rare que l'on reconnaisse son péché comme tel. L'homme de la rue n'a pas du tout idée de l'horreur du péché et n'est pas du tout conscient non plus du fait qu'il est un grand pécheur devant Dieu ou devant l'Éternel. Quand les hommes peuvent être amenés justement à se rendre compte combien ils sont de grands pécheurs devant Dieu, leurs doutes en ce qui concerne la divinité de Christ et ensuite la doctrine de la réconciliation par le sang versé par Jésus-Christ se dissipent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période qui a suivi votre conversion, où vous avez confessé à Dieu vos péchés, alors là au pluriel, et votre péché au singulier. Je ne sais pas pour vous, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Ça a duré 48 heures tellement j'en avais fait. Ah oui, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et j'ai été tellement convaincu que pour la première fois depuis ma tendre enfance, la plus petite enfance, j'ai commencé à pleurer. On m'avait dit, un homme, ça ne pleure pas. Alors, jusqu'à 20 ans, je n'ai jamais pleuré, hein, malgré la guerre, etc. Et divers pèlerinages à travers la France à cause de la guerre. Mais là, j'ai été tellement convaincu de mon péché, de mes péchés, que je me suis dit, il faut vraiment changer de vie. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a convaincu. On va aller dans le détail dans un instant. Alors donc, l'absence en ceux qui viennent à Jésus-Christ ou le prétendent d'une profonde conviction de péché, voilà l'un des manques, je dirais, les plus graves dans notre travail d'évangélisation aujourd'hui. J'ai l'habitude, évidemment, ça fait plus de 60 ans, 64 ans que je suis converti à Jésus-Christ, et j'ai l'habitude, j'ai voyagé pendant disons une quarantaine d'années et un peu plus, à travers diverses églises de différentes dénominations, je dirais depuis la Réforme jusqu'au Pentecôtiste. Eh bien, je me suis rendu compte que bien souvent, les enfants de Dieu, des chrétiens, n'ont pas cette profonde, n'ont jamais eu, en fait, cette profonde conviction de péché. Je sais que ce n'est pas un message très agréable, j'en suis convaincu, mais il faut en parler de temps en temps quand même. Pourquoi ? Parce que tant que vous ne serez pas convaincu de votre péché, non pas des péchés seulement, de votre péché, c'est-à-dire de cette nature pécheresse qui nous habite les uns et les autres, il n'y aura pas réellement de modification dans votre vie, de changement de vie et de régénérescence. Alors, donc, à notre époque, il est rare, je répète, que l'on reconnaisse son péché comme tel. Alors, l'homme de la rue n'a pas idée de cette horreur du péché. Alors, l'absence en ceux qui viennent à Jésus-Christ ou le prétendent de cette profonde conviction de péché, voilà donc, je le répète, l'une des marques les plus grande, on va dire, d'un manque au niveau d'évangélisation et à tous égards, ensuite, en ce qui concerne la nouvelle naissance. Or, c'est l'œuvre, écoutez bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous convaincre, justement, et de convaincre l'homme de péché, c'est-à-dire de lui ouvrir les yeux sur sa nature pécheresse. Et c'est de cela dont je veux parler ce matin. Nous baignons depuis notre enfance dans cette nature pécheresse. Et si tant qu'on n'a pas reconnu que nous baignons dans cette nature pécheresse, eh bien, nous n'éprouverons pas le besoin d'en changer et de changer de nature. Alors, donc, l'œuvre du Saint-Esprit va nous convaincre de cela déjà. Et ni vous ni moi ne pouvons convaincre personne de son péché. On m'a souvent demandé, quand je voyageais,
puisque j'ai travaillé pendant 14 ans dans les missions américaines parmi les Juifs, combien avez-vous amené de Juifs à la conversion? J'ai dit zéro. Ce n'est pas que des Juifs n'ont pas accepté Jésus, loin de là. Mais personnellement, je n'en ai amené aucun. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. J'ai l'habitude d'argumenter, et ça s'apprend, et de penser les choses avant d'en parler. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un convaincre de péché un autre. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et là, il ne faut pas se tromper. Donc, le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux sur notre nature pécheresse. Et comme nous le verrons plus tard, le Saint-Esprit va se servir de nous pour accomplir cette œuvre. C'est-à-dire qu'il l'a fait par notre intermédiaire, car de nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Il est dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est dans le prophète Jérémie, chapitre 17, verset 9. Donc, son cœur est tortueux et il est méchant. Nous naissons avec cela. Et chacun de nous est aveugle en ce qui concerne ses propres fautes. Je vais vous dire cela d'une autre manière. Nous sommes très clairvoyants quant au péché et aux fautes des autres, mais complètement aveugle quand il s'agit des nôtres. Pas d'accord? Oui. Autrement dit, c'est écrit dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, on voit la paille qui est dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre qui nous aveugle. Et en général, on se passe la brosse à reluire. Quand cela nous concerne, ce n'est pas grave, c'est une petite erreur, mais chez les autres, c'est terrible, ça prend des proportions terribles. Alors, nous sommes donc très clairvoyants quant au péché des autres. Je le reconnais, c'est facile à faire, ça. Le monde est tellement aveuglé face à son péché que personne, à part le Saint-Esprit, ne pourra jamais l'en convaincre et lui ouvrir les yeux. Aussi grande que puisse être notre force de conviction, notre force de persuasion naturelle, nous ne pouvons cependant, malgré tous nos arguments et malgré tous nos récits émouvants parfois, amener quelqu'un à reconnaître son péché. Et à cet égard, beaucoup d'entre nous commettent la plus grande erreur, non seulement dans la prédication, mais aussi dans l'assistance spirituelle. Je vais prendre cet exemple dont j'ai parlé il y a un instant. J'habitais le 18e à l'époque. Je suis parisien, je suis né ici à côté, dans le 4e. J'habitais à ce moment-là dans le 18e. Et en face de l'immeuble dans lequel j'étais, il y avait tout un autre immeuble. C'est dans le 18e, je ne vous dirai pas où. Il y a tout un immeuble avec des Juifs rapatriés. C'était donc de la période entre 60 et 65, après je suis parti. Et là, dans cet immeuble, il y avait en face de mes fenêtres, il y avait toute une famille juive. Et cette famille juive était juif garanti cachère, ils ne connaissaient rien d'autre que la synagogue. Et il y avait une jeune fille à l'époque, elle avait 14 ans donc, ma fille était toute petite, bientôt elle est à la retraite maintenant, elle était toute petite et elle venait non pas jouer, mais enfin s'occuper de ma fille. Alors, de façon tout à fait régulière, nous discutions, Bible en main, enfin Torah, donc on discutait sur le messianisme, sur Jésus, etc. Et c'est une jeune fille qui fréquentait la synagogue rue des Saules dans le 18e arrondissement. Alors, pendant 4 années d'affilée, j'ai essayé tous les arguments que je possédais dans ma petite tête et rien ne bronchait dans l'attitude de cette jeune fille. Et arrivée à l'âge de 18 ans, elle m'appelait André, puisque c'est mon prénom. Je l'ai connue gamine. Hein. Donc, elle m'appelait André et elle vient frapper à ma porte à 8 heures du matin.
et pour me dire, André, je crois que Jésus est le Messie. Et moi, j'ai dit, c'est pas vrai. 4 années de lutte, 4 années de prière, et rien ne se passait. Et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis, humainement parlant, incapable d'amener un juif à reconnaître que Jésus est son Messie. Mais en une nuit, le Seigneur a touché le cœur de cette jeune fille. Et ça se passe également avec les musulmans à l'heure actuelle, de plus en plus à travers le monde. Ils ont des flashs extraordinaires. Alors cette jeune fille a vu dans un rêve, elle a vu Jésus en croix. Alors que j'ai évité de parler Jésus en croix parce que c'était l'épouvantail à moineaux pour les juifs. Et donc, elle m'a dit, j'ai vu Jésus en croix qui me pardonnait mes péchés. Mais j'étais debout, mais ça m'a assis. Hein, parce que trouver ça chez une jeune fille juive, après tant d'années de difficultés rencontrées dans le dialogue, et rien n'y faisait. Et d'un seul coup, en une nuit, le Saint-Esprit a fait ce travail que je n'avais pas pu faire pendant 4 ans, en une nuit. Et actuellement, il y a beaucoup de cas de ce type-là parmi les musulmans, en Afrique du Nord ou ailleurs, mais où ils ont de véritables révélations de qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit. Et c'est une façon miraculeuse, je dirais, du Saint-Esprit pour leur démontrer que Jésus est réellement le Messie, le Mashiach, comme on dit en hébreu. Alors, nous essayons donc de convaincre les hommes de leur péché. Nous essayons, et je l'ajoute avec force, nous essayons en fait de faire le travail du Saint-Esprit. Nous essayons de faire ce que lui seul est capable de faire, et naturellement, nous échouons. Je l'ai fait moi-même, enfin, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé par tous les moyens d'argumenter, surtout avec le monde juif. J'étais convaincu qu'ils ne pourraient pas trouver le Jésus en tant que Messie si je n'argumentais pas avec eux. Et bien, parfois et même souvent, le Saint-Esprit a fait les choses en un clin d'œil. Et ça continue d'ailleurs. Alors, nous pouvons remercier Dieu de ce que le Saint-Esprit puisse le faire, justement, nous convaincre. Et si nous nous mettions à la disposition du Saint-Esprit, afin qu'il se serve, justement, de nous, selon sa volonté, si nous comptions sur le Saint-Esprit pour qu'il amène par nous des hommes et des femmes à reconnaître leurs péchés, et si nous veillions davantage à avoir envers Dieu une attitude permettant au Saint-Esprit d'agir par nous, alors nous verrions, j'en suis convaincu, beaucoup plus de conviction de péché qu'à présent. Être chrétien, ce n'est pas adhérer à quelques doctrines, etc. On est chrétien ou on ne l'est pas. Et être chrétien, je ne sais plus, c'est un de mes frères ici qui a parlé d'être disciple. Ça, oui. Être disciple, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est suivre le Seigneur et non pas le devancer en lui disant ce qu'il a besoin de faire ou ce qu'il a besoin d'être fait. Nous sommes au service du Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut servir le Seigneur sans le suivre, mais on ne peut pas le suivre sans le servir. Être un disciple, c'est suivre le Seigneur, je le répète, et non pas le précéder sur le chemin de la vie. C'est lui qui a besoin, justement, par le Saint-Esprit, de nous orienter pour savoir quelles sont nos voies à suivre. Alors, le Saint-Esprit n'a pas seulement le pouvoir de convaincre de leur péché les hommes qui vivent loin de Dieu. Il a aussi le pouvoir de convaincre au plus profond d'eux-mêmes ceux qui ont un niveau élevé de moralité. Je n'ai rien contre la moralité, évidemment. Mais c'est un des cas les plus difficiles pour que des gens de bonne moralité puissent accepter ou de concevoir que leur nature est pécheresse malgré leur bonne moralité. C'est aussi un problème avec cette catégorie de personnes. Mais là aussi, le Saint-Esprit peut le faire en leur donnant cette profonde conviction de péché. Il l'a fait au jour de la Pentecôte, alors que 3 000 personnes bouleversées s'écrient « Hommes frères,
Que ferons-nous sans le livre des Actes au chapitre 2, versets 37 à 41. Vous pourrez lire l'ensemble de ces versets. Alors, si Pierre avait fait la même prédication avant la Pentecôte, un jour avant que le Saint-Esprit ne vienne, le résultat aurait été, je pense, complètement autre. Mais à présent que lui et les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute étaient remplis du Saint-Esprit, c'est acte 2, 4, que lui, Pierre, était en train de prêcher et que les autres parlaient avec des personnes individuellement dans la puissance du Saint-Esprit, à présent, il recueillait ce fruit merveilleux. Alors, je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer ensuite. Quand vous lisez acte 2, donc acte 2, c'est la venue de la Pentecôte et du Saint-Esprit parmi les hommes. Comprenez bien les choses, je n'ai rien contre le parler en langue. Loin de là, je parle en langue depuis 1954. Donc, au jour de la Pentecôte, il s'est passé ceci. Si vous lisez attentivement le livre des Actes, vous verrez qu'au jour de la Pentecôte, il y avait donc des Juifs qui étaient réunis pour la fête. C'est une fête juive à l'origine, hein, avant qu'elle devienne chrétienne. C'est une fête. Comment on l'appelle en hébreu? Voyons ça. Makeshwalou. Ça, c'est arabe. Voilà. Vas-y. Shavuot. Merci. C'est ça. Elle est très bien enseignée, notre sœur. Oui. Donc, c'est Shavuot. Alors, ils étaient tous là, réunis dans la chambre haute. Et ceux qui étaient dans cette chambre haute ont vu l'action du Saint-Esprit sur eux. Alors, ils parlèrent en d'autres langues, etc. Mais en quelle langue ils s'exprimaient ? Dans des langues qui étaient complètement compréhensibles. Et ça s'appelle, en termes techniques, il y a d'un côté la glossolalie, le parler en langue que tous les pentecôtistes connaissent, et de l'autre côté, il y a deux termes. Il y a la xénoglossie et la xénolalie. Alors, c'est un peu barbare, mais enfin, ça veut dire tout simplement la faculté de pouvoir parler dans une langue étrangère que l'on n'a jamais apprise. Et au jour de la Pentecôte, acte 2, ces gens qui ne connaissaient rien à rien s'exprimaient et louaient le Seigneur dans des langues que les autres comprenaient. Un cher frère qui est parti avec le Seigneur maintenant, il était, je ne me rappelle plus, en Normandie, il m'avait demandé de faire le dernier culte avec lui. Après, il partait à la retraite, il avait 80 et quelques années. Et ce frère qui ne connaissait pas la bête guillemets, c'est ABC hein, en hébreu, il ne connaissait strictement rien. Et il s'est mis à prophétiser dans sa propre église en hébreu. Enfin, je n'ai pas la prétention de connaître parfaitement l'hébreu, loin de là, malheureusement. Mais il y avait des termes hébraïques qui ont fait tilt dans mon oreille. Et je lui ai dit, mais tu as parlé en hébreu ? Il me dit, j'en sais rien. Et effectivement, il y avait. Moi, je n'ai pas compris tout ce qu'il disait, mais il y a eu une interprétation qui était l'interprétation de quelqu'un de l'Église. Mais ce frère qui ne connaissait pas un mot d'hébreu, hein, et il s'est mis à parler en hébreu. Donc, c'est une faculté, la xénoglossie ou xénolalie, de parler dans une langue étrangère que vous n'avez jamais apprise. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas la nôtre. Et on est convaincu et confondu, je dirais, en même temps, quand on entend des choses pareilles, parce que tout simplement, seul le Seigneur est capable de le faire. Alors, je pense encore, je ferme la parenthèse de la xénoglossie et la lie aussi, quand vous priez Dieu, on prie Dieu au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et vous retrouvez toujours cet équilibre de la Trinité. On prie Dieu. Si vous lisez le Notre Père, hein, c'est donc on s'adresse à Dieu, l'Éternel, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. C'est OK? Amen. Bien. Alors donc,
Nous devons aujourd'hui croire au Saint-Esprit et à sa puissance pouvant convaincre les hommes de leurs péchés. Nous devons également compter sur lui pour qu'il accomplisse son œuvre magnifique. Alors, nous allons aborder un autre sujet maintenant. Examinons quel est le péché dont le Saint-Esprit convainc les hommes. Et je reprends le texte. « Quand le Saint-Esprit sera venu, c'est Jean 16, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Alors, si on s'arrête à péché, bon, bien, il va convaincre le monde de péché, amen. Mais il est dit « parce qu'il ne croit pas en moi, en Jésus, donc. » Alors, le péché dont le Saint-Esprit convainc les hommes est justement celui de ne pas avoir foi en Jésus-Christ. Si vous éliminez Jésus de votre vie, vous serez éliminé aussi, hein, par rapport au salut. Pourquoi ? Parce que, je vais vous dire quelque chose qui me concerne, c'est très ancien, ça fait plus de 40 et quelques, 45 ans au moins. À force de travailler parmi les Juifs, progressivement, on élude le nom de Jésus-Christ, même si on dit Yeshua, Mashiach ben David, c'est toujours le même. Mais on commence à en parler un peu moins de Jésus, un peu moins, et toujours un peu moins. Et à l'époque, j'étais donc pasteur baptiste pendant une dizaine d'années, et j'avais droit à une secrétaire. C'est pas qu'on était riche, mais enfin, c'était les Américains qui m'avaient doté d'une secrétaire. Elle m'a dit, « Monsieur Boulagnon, vous parlez de moins en moins de Jésus-Christ. » Ah, je m'en étais même pas rendu compte. Elle avait parfaitement raison. C'est une dame qui aurait pu être ma mère. Et j'ai écouté ce qu'elle me disait. Et je me suis mis devant le Seigneur en disant, « Effectivement, pardon, Seigneur. » Et quand... Tant que Jésus n'est pas au centre de nos pensées, au centre de notre vie, nous glissons progressivement sur une pente savonneuse, tout simplement parce que, dès lors, si on oublie Jésus-Christ, c'est fichu pour notre vie chrétienne. Il doit rester au centre de nos préoccupations, au centre de nos pensées, au centre de notre vie, au centre de nos réflexions personnelles. Alors, hommes frères, que ferons-nous ? Eh bien, je ne veux pas me répéter, mais enfin quand même, c'est de ce péché-là qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit convainquit les 3000 personnes. C'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. L'apôtre Pierre, dans Actes 2, 36, venait de dire « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ou Messie, c'est pareil, ce Jésus que vous avez crucifié. » Puis nous lisons verset 37 « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Ils eurent le cœur vivement touché. C'est le Saint-Esprit. Et si vous vous rappelez, je l'espère, du moment de votre conversion, vous avez été touché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pleuré comme une Madeleine. Non, elle est là, Madeleine. Mais j'ai pleuré que comme un gamin quand j'ai accepté Jésus dans ma vie. Ça a duré 48 heures d'affilée avec la confession, l'étalement de tout ce que j'avais fait pendant 20 années précédentes. Et c'est le Saint-Esprit, quand on est convaincu de cela, Jésus est vraiment au centre de nos préoccupations. Alors vous allez me dire, mais j'ai tellement de soucis, tellement de travail, tellement de ceci et de cela. Eh bien, je voulais vous dire, cela ne vous empêche pas de penser à Jésus-Christ. J'ai été comptable ici, boulevard Richard Lenoir, avant ma conversion. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces machines mécano-comptables. Et il fallait descendre des additions avec des livres. On appelait ça des livres grands comme ça à peu près. Et il fallait les descendre, les remonter, etc. Et c'était au début de ma conversion. J'ai dit, Seigneur, on me donnait à faire ce qu'on appelle les balances en comptabilité. Enfin, pour les comptables, ils doivent savoir ce que c'est. Et
Et alors là, il fallait rechercher les erreurs. Eh bien, ce que je faisais, c'était au début de ma conversion, j'allais dans les toilettes, je priais le Seigneur, fais-moi trouver les erreurs, Seigneur, parce que je ne vais pas m'en sortir. Et c'est vrai. Alors, autrefois, je faisais le même travail et ça me prenait des semaines entières. Et il fallait que tout soit bien balancé, justement. Et là, parfois, miraculeusement, ah oui, il y a une inversion de chiffres. Voilà. Et c'est arrivé. Donc, vous pouvez avoir, malgré votre travail, quel qu'il soit, avoir une pensée vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, aide-moi dans ce que j'ai à faire. C'est très pratique. Très pratique. Ce n'est pas au niveau cérébral seulement, c'est au niveau du cœur. Il faut que ce qui est là-haut descende dans le cœur. Hein? Il y a 30 cm entre les deux, à peu près. Hein? Donc, il faut que tout ce que vous savez du Seigneur redescende dans le cœur et qu'il soit mis en pratique. Alors donc, oui, c'est le péché dont le Saint-Esprit convainc les hommes encore aujourd'hui, le terrible péché, justement, de rejeter et de ne pas croire en celui dont Dieu a fait notre divin Sauveur et Seigneur, de ne pas croire en Jésus-Christ, de ne pas croire que c'est lui qui a entre ses mains la possibilité justement de nous envoyer le Saint-Esprit pour éclairer notre chemin, pour éclairer notre entendement, hein, et, ou éclairer notre intelligence, comme le dira l'apôtre Paul. Alors, c'est cela précisément le péché dont on peut le plus difficilement convaincre les hommes, que Jésus est le Fils de Dieu. Pour les Juifs, il n'y a pas de fils à Dieu. Pour les musulmans, il n'y a pas de fils à Dieu. Alors, quand un musulman ou un juif se convertit, accepte Jésus comme fils de Dieu, il est réellement converti. Hein? Alors, l'incrédule moyen ne considère pas du tout son incroyance en Jésus-Christ comme un péché. Je n'ai jamais tué ni volé. Hein? Vous avez entendu ça déjà. Hein? Je n'ai jamais tué ni volé. Ou volé ni tué, plutôt. Ça, c'est dans le meilleur sens. Mais quand les gens disent ça, ils se croient complètement absous. Donc, il en est de même souvent, enfin, même souvent fier, le commun des mortels, au lieu d'en avoir honte. Il se rengorge en disant, moi, je suis agnostique, ou alors, je suis athée, ou encore, je suis sceptique. Vous deviendrez antiseptique après. Ou alors, je suis athée. Ah oui. Moi, j'étais athée. Je me disais, je crois ni en Dieu ni en diable. C'était vrai jusqu'à l'âge de 20 ans. Je croyais en mon cran d'arrêt. Ça, oui, parce que j'avais sur moi. Mais le reste, rien. Alors donc, souvent, il est d'autant plus fier de son incrédulité, l'homme de la rue, qu'il la considère comme un signe de sa supériorité spirituelle. Et pourquoi pas, hein? Alors, quand ce n'est pas aussi grave et que les gens ne sont pas forcément fiers de leur incrédulité, ils la qualifient alors de simple malchance et ils disent ben, « je ne peux tout simplement pas croire, je souhaiterais pouvoir croire, mais je ne peux pas ». Vous avez entendu ça, je pense aussi, ou l'avez-vous dit. « N'avez-vous aucune compassion, diront certains pour moi, en tenant compte que je ne puisse pas croire ?» Peut-être certains vous l'ont dit. Alors, cependant, quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un homme, celui-ci ne considère plus son incrédulité en ce qui concerne Jésus-Christ, ni comme un signe de sa supériorité, ni comme une simple malchance, mais il va voir clairement alors que l'incroyance en Jésus-Christ, c'est le plus grave, le plus déterminant, le plus audacieux et le plus condamnable de tous les péchés. Si Jésus n'est pas au centre de votre foi, vous pouvez croire en n'importe quoi, philosopher avec n'importe qui, votre vie sera toujours à côté de la plaque. Pourquoi ? Il doit être ce centre, Jésus. Le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à lui, nous est-il dit, et nous le communiquer. Et vous voyez, il y a une sorte d'osmose entre Jésus et le Saint-Esprit. Jésus est maintenant dans le ciel. Alors, on prie Dieu au nom de Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, par le Saint-Esprit. Et on peut prier Dieu, justement. On peut prier Jésus en lui demandant, par le Saint-Esprit, qu'il nous envoie
capacité à saisir sa parole déjà. Je l'ai dit tout à l'heure à notre réunion de prière, lorsque nous sommes en prière avec Dieu, nous adressons toujours à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander, c'est l'apôtre Paul qui le dit également. Mais, par contre, quand le Saint-Esprit nous anime, eh bien, dès lors, nous savons tout de suite ce qu'il y a lieu de faire ou de dire et de taire si c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que, je vais fermer très rapidement cette parenthèse, nous avons toujours besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes et après, c'est terminé. Il nous faut un renouvellement constant du Saint-Esprit. Ce matin, à 4 heures, je priais pour demander que le Saint-Esprit ouvre ma bouche et surtout mon cœur pour que je puisse parler librement et ne pas être coincé par mon travail. Librement. Pourquoi ? Quand le Saint-Esprit agit, vous avez le résultat, 3000 conversions. Et j'ai jamais vu... Peut-être que j'ai voyagé, mais je n'ai jamais vu ça quand même. 3000 conversions d'une seule fois. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Alors, je termine. Tout en regrettant amèrement sa mauvaise foi, son impureté, ou quel que soit le péché dont il s'est rendu coupable, l'homme de la rue, pourtant, le fait, il reconnaît pourtant le fait d'avoir rejeté le glorieux Fils de Dieu comme le plus terrible des péchés. Et il se rend compte alors qu'aucun péché qu'il peut commettre envers son prochain ne saurait être aussi grave que de rejeter celui qui quitta le ciel et sa gloire pour venir sur la terre avec toutes ses ignominies et pour clouer nos péchés sur la croix avec son propre corps. Cependant, ni vous ni moi ne pouvons faire comprendre cela aux hommes. Que Dieu vous utilise, et c'est là ma prière, que Dieu nous utilise ensemble et séparément pour être un instrument entre les mains de Dieu, non pas pour convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais pour être un moyen entre les mains de Dieu d'apporter ce que nous avons reçu du ciel aux autres. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des maquignons. Nous ne sommes pas en train de compter combien nous avons amené d'âmes au Seigneur. Là n'est pas notre problème. C'est le Seigneur sait compter mieux que moi. Donc, l'essentiel est d'être entre les mains du Seigneur pour communiquer ce que nous avons reçu du ciel, le faire partager aux autres. Ensuite, l'histoire de conversion, ce n'est pas votre affaire, c'est celle du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et un dernier mot maintenant. Prions afin que Dieu veuille bien nous utiliser par la puissance du Saint-Esprit et affirmer avec l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Quand vous êtes certain de savoir, quand vous êtes sûr que vous, enfin, certains c'est la même chose, quand vous êtes sûr d'appartenir au Seigneur et que vous avancez des paroles bibliques concernant votre foi, alors il y a le cachet du Saint-Esprit par-dessus et vous verrez que autour de vous, les choses changeront. Un tout dernier mot, parce qu'il convient de pécher, de justice. Je vais en parler en moins de 5 minutes. Alors, le Saint-Esprit ne fait pas que convaincre le monde de péché, car il est écrit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, quand je parle de justice, ou quand l'Écriture parle de justice, ce n'est pas la justice des hommes, car nous n'en avons pas de façon réelle. Mais la justice de Jésus-Christ et la justice que Dieu a préparée pour nous en Jésus-Christ. Alors peut-être, pour être sauvé, l'homme doit reconnaître deux choses. Ce n'est pas de l'évangélisation que je suis en train de faire, je ne suis pas un évangéliste. Mais son propre état, d'abord il doit reconnaître son propre état de péché, sa nature pécheresse. Pas seulement les péchés, mais sa nature pécheresse. Et c'est pour ça qu'on parle de vieille nature et de nouvelle nature, ou nouvelle création, ou créature, c'est la même chose. Mais il y a deux phases dans notre vie, avant de connaître le Seigneur et après.
Et en principe, nous ne devrions plus être les mêmes après notre conversion, après que nous ayons confessé notre péché et notre état de pécheresse. Deuxième chose, la justice de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui doit montrer ces deux choses à l'homme. Et c'est cela dont nous avons tous besoin dans nos assemblées. Enfin, j'ai quand même l'habitude, avec le temps, de côtoyer des quelques milliers de chrétiens. Et ce qui me navre, je vais vous le dire très franchement, il y a beaucoup d'adhésion, mais il y a très peu de réelle conversion à cause du manque, à savoir, de cette nature pécheresse qui nous torpille. Je me rappelle avoir baptisé un frère. Il avait de l'âge et tout à fait pardonné, pardonnable. Il m'avait dit un jour, je croyais avoir laissé, autrefois le baptistère était là, enfin il est là, je croyais avoir laissé ma vieille nature dans le baptistère, mais la garce, elle savait bien nager. Ouais. Alors, si vous ne veillez pas au grain, vous risquez de voir cette vieille nature reprendre le dessus, très progressivement, et vous retrouvez quelques années plus tard, comme vous étiez avant votre conversion. C'est pour ça, être convaincu de péché, de justice et de jugement, on ne parlera pas de jugement aujourd'hui, mais dernier mot, une prochaine fois, nous parlerons de l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Et je vous parlerai, si mon cher collègue et frère, M. Robichaud, me permet de faire la suite. C'est lui qui m'a demandé de faire la suite. Sinon, j'aurais parlé sur Israël. Non, mais enfin, il faut partager les choses. Donc, on parlera aussi du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est un élément très important. Si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, eh bien, il y a encore tout un chemin à parcourir. J'ai été pasteur baptiste pendant 10 ans. Je sais quels sont les arguments des évangéliques non pentecôtistes, mais je sais aussi quels sont les arguments des pentecôtistes. Et le baptême du Saint-Esprit est vital pour chacun d'entre nous. Alors, on va prier maintenant, si vous le voulez bien, et demander au Seigneur qu'il nous remplisse de son esprit, hein, non seulement aujourd'hui, mais demain et chaque jour davantage. Amen. Prions. Oui, bon Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de la grâce que tu nous accordes de pouvoir sonder les Écritures, tes Écritures, ta parole. Et ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit à coup sûr. Et nous te bénissons pour cette parole qui est oui et amen. Nous te demandons, Seigneur, que la puissance de ton Saint-Esprit nous permette de comprendre quelle est ta pensée, quelle est ta volonté nous concernant personnellement. Que nous ne puissions pas voir la paille dans les yeux des autres, mais que nous puissions surtout voir la poutre qui est dans notre œil. Seigneur, permets que le Saint-Esprit mette en relief ce que nous avons besoin de comprendre de toi, de ta personne, et que ton Saint-Esprit nous conduise de plus en plus près de toi, Seigneur Jésus, puisqu'il prendra de ce qui est à toi et nous le communiquera. Nous te demandons, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Communique-nous ce dont nous avons besoin de connaître concernant ta personne, ta volonté et tes directives à titre personnel ou collectif. Seigneur, béni sois-tu pour mes frères et sœurs ici présents, parce que nous croyons vraiment que tu vas agir au plus profond de chacun d'entre nous pour que nous soyons des instruments entre tes mains pour communiquer aux autres ce que nous avons reçu du ciel. Père, fais de nous des lumières là où il y a les ténèbres. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui n'ayons pas peur de témoigner de ce que nous étions et de ce que nous sommes, puisque l'apôtre Paul lui-même l'a fait dans ta parole. Seigneur, aide-nous à vivre dans nos familles, dans la société, là où tu nous places, comme des hommes et des femmes de Dieu, et non pas comme des adhérents à quelque chose d'humain. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de cette trempe-là, qui n'ayons pas peur de témoigner, pas peur du qu'en dira-t-on, pas peur de ce que les hommes penseront. Seigneur, une chose nous intéresse, que Jésus-Christ prenne la première place dans le cœur de chacun d'entre nous et toute la place. Amen. Amen.